So hello everyone, welcome to this webinar on responsible investing and corporate social responsibility. My name is Paul Bourget. I am the director of the Bostad project at Cyrano. For this webinar, we are supported by Cyrano's event and communication coordinator, Mrs. Manon Blouet. In this webinar, you will hear from Mr. Thomas Estinais. Mr. Estinais is co-director of the group Investissement Responsable, and also from Mr. Michel Magnan. Mr. Magnan is a Cyrano fellow and a professor at Concordia University. Before the presentation of our experts, I will describe the features related to responsible investment in Bostad simulation on the Bostad platform, and more specifically, how this aspect, this component, is evaluated in the 2023 Bostad Challenge. After the presentation, there will be a question and answer period, so therefore you are invited to submit questions and comments in the Q&A feature of the Zoom application. I will now share my screen and introduce you to Bostad responsible investment features. Okay, so again, the webinar will start with my own presentation of the features about responsible investment in Bostad simulations, and more specifically in the Bostad challenge. After that, you will hear Mr. Estinais. Mr. Estinais will talk about the preparation of the annual report that his firm, Groupe Investissement Responsable, publish every year on sustainable finance issues. And he will also give information about the preparation and the submission of shareholder proposal in the shareholder general assembly, which are held every year, as you probably know. And after that, we will hear a conference by Professor Magnan from Concordia University, which is entitled Investing in the ESG Era. Okay, let's start by talking about responsible investment in the Bostad challenge or competition. I will say a few words about the guide to responsible investment that we make available every year in the documentation system. I will also talk about some concept in responsible investment and sustainable development. There will be also, more specifically, what are the features about responsible investment on the platform? And I'll conclude by saying a few words about the qualification tests for the responsible investment component, the tests that the contestant in the challenge will be able to pass between March 13 and March 26. Okay, so the guide to responsible investment that we publish every year, there are these sections in the guide. First, we provide a definition of responsible investment. We describe some strategies for acting responsibly when you invest. There is also a section about how responsible investing evolved during the years. In fact, it started a few centuries ago with religious groups, most notably the Quakers, but most of it is about what happened since, let's say, the 1970s and later. After that, there is two sections about ESG. First, we describe what we call ESG performance in firms, and then we talk about how you can evaluate
that performance. The next section is about how the firms that specialize in responsible investing, that we may be talking about those that provide scores about investing, those firms that may help those preoccupied with the issues to have some evolution, either by submitting proposal in general shareholders assemblies, or maybe by engaging in some form of discussion with the leadership of the firm. The two next sections are drawn from a publication by Cyrano that we made a few years ago about sustainable development. So industrial strategy and sustainable development. First, we talk about clean technology clusters. And there is also a section about the circular economy. What are the strategies to evolve towards an economy which use less resources? In fact, that's the whole principle of circular economy. And finally, we explain what are the responsible investment features in a Bostad simulation. Okay, as I mentioned, this guide has drawn two sections from the Quebec Economic Aid, the Développement Durable à l'ère des changements climatiques. Those sections were translated in English and included in the guide a few years ago. If you want to get the book itself, it's available free, late, on the publisher's website. You'll get a PDF version of the whole guide if you are interested. Okay, responsible investment in Bostad simulations. We have the guide that I just talked about. When you describe your investor as part of portfolio management, you have the opportunity to indicate if your investor, what is the sensibility level of your investor about socially responsible investment? Is he very aware of that issue, or maybe not too much preoccupied by it? Then as the portfolio manager, you have to mention, if will you take into account the extra financial risk? Well, it's what we call today ESG, environmental, social, and governance. And you also have the opportunity to justify your transactions. In fact, after having submitted a transaction, you have 2 days, 48 hours, to provide additional justification, and you can justify your transaction based on ESG factors. More specifically in the challenge, we'll have the online qualification test between March 13 and March 26th, starting next Monday. The test is comprised of 40 questions, including two essay questions. I'll give more details about it in a moment. And the test is evaluated automatically by the application. At the end of the challenge, the jury will award the grand prizes for high school and college students. So there'll be the first grand prize and the second grand prize, coming first with $1,000 and the second with $500. If you are participating in the general public version of the contest, there is one grand prize coming with a $1,000 scholarship. As I mentioned, when you issue a transaction in Bostad, you can justify it based on environmental aspect, social aspect, or governance aspects. You can do that within 48 hours after having submitted your transaction. The qualification test for the responsible investment, so as I mentioned, it'll be approximately 40 questions, most of them multiple choice, objective questions, and two structured essay questions.
It will be administered between March 13 and March 26. There is an access control. Only participant in the 2023 Boostad Challenge can pass the test. If you participate in the contest as a member of a tandem, part of a team of two students, you can pass the test, but each member has to take the test individually. Everyone can have two attempts to pass the test, and the time limit for each of these attempts is 90 minutes. Okay, what are these two questions? The first question asks you to write a shareholder proposal for a company traded in the 2023 Boursorama Challenge. In a moment, Mr. Estinais will describe how his firm, Groupe Investissement Responsable, prepare such proposal and submit this proposal to the General Assemblies of Shareholders. The second question will ask you to present three current issues in responsible investment and sustainable development. The press release or communique that we have published in the documentation system of the Boursorama platform contains the precise wording of each of these questions. So, as I mentioned, we have made available a release describing this test and giving you the wording of the essay questions. You'll find it in documentation, how it works, online release. If you select only the English documentation, you'll find it maybe more easily. And you also have the guidelines. For this, you have to click on an item in the simulation group on the left pane, and it'll display the guidelines for completing the responsible investing qualification test. The bottom of the page gives you a button on which you have to click, and it will lead you to the test, to the application where you'll be able to pass the test. So here we are to the presentation of Mr. Estinais. So Mr. Estinais will talk about the preparation of the annual ESG trends report that his firm publish every year, and also about the shareholder proposal. So Mr. Estinais is co-general manager of the Responsible Investment Group. He has been working at this firm since 2013. Before that, when he started at GE, he was also responsible investment analyst for Desjardins, and he has been member of the Boursorama Challenge jury since 2016. So I now invite Thomas Sinais for his presentation. Thank you, Mr. Bourget. I will share my screen with the presentation. I believe it's okay. It's fine. We see it, Thomas. Okay, good. So, good afternoon, everyone. I will try to be brief in explaining the expectation from you in this exercise. So, just a brief history of who we are, and what we do. So we are a firm based in Montreal, Quebec. The foundation was in 2000, so just celebrated 20 years of existence. Basically, we have three types of services. The main one, and I will explain it a bit more, is a vote, so proxy voting. So it means voting on behalf of our clients who are investors. I will go into further details. Research on ESG topics. We do portfolio reviews, ESG ratings, and the annual report on ESG issues.
And to finish consultation, so consulting with our client, helping them implement their ESG or responsible investment strategies. We have around 40 clients in Canada. You see, these are what we call institutional investors. So basically every type of investor besides individuals. We have pension funds, portfolio managers, foundations, labor sponsored funds, religious communities, and universities. So what is the vote in itself and why we do that? So the vote comes from when you hold a share in a company, in a publicly traded company, like Metro, Apple, Cascade, whatever, you have the right to vote at the annual meeting. So basically, and I think it's true for every jurisdiction in the world, publicly traded companies have to hold their annual meeting once a year with their shareholders. So it's not in person. It can be in person, but you can vote through a platform, so electronically. And our business case, our business models come from the fact that institutional investors have portfolios of maybe hundreds and sometimes thousands of companies. And most of them, and it's the large majority around, we account maybe 80% of publicly traded companies in North America and in Europe have their annual meeting in the spring during 8 weeks between April and late April and early June. So with the expertise we develop, we are able to help our clients analyze all the topics, all the issues that the companies they all do face, and we apply their policy. So that's what we do. Just to give you a general idea, we manage 8 different policies. So some clients have their own policy. Some belong to a group of investors that share the same policy, so it gives them a better impact and it saves them cost also. We cover for the vote, we cover around 4,500 companies, but we vote broadly 3,000 companies per year. And our clients have a total asset under management of $100 billion. This is a rough numbers. So this is to give you an idea of the type of report that we can produce. So it's called a proxy voting report. So you have here, I took the Nike annual meeting, which was on last September, and you have the agenda. So all the topics, all the proposals that are submitted. So you see from 1 to 4, these are proposals from the board, so from the company. So the company proposed to elect the board, so Mr. Graf, Henry, and Mrs. Peluso. Proposal number 2 is on advisory vote on executive compensation. So basically, the possibility for shareholders to have their say on the executive pay. Then we have other type of proposal, I will not detail it. And the last one, the number 5, is a shareholder proposal. So this is a proposal that is submitted by shareholders to challenge the company on one topic or the other, most of the time on ESG issues. So here it was the shareholders wanted the company to adopt a policy to pose the sourcing of cotton and other raw materials from China until the U.S. business advisory is lifted. So at the same time, social and environmental proposal. So these topics are made to, as I said, challenge the company. And this is what you're going to be asked to do, to try to mimic this exercise. And I will give you an idea of what it looks like. So this is from this what we call the circular. So the circular is a document produced by the company before their annual meeting.
You can find it on their website, but also on CEDAR, which is a platform for all Canadian companies that publish their annual report, all the communicate the public communication that they do on CEDAR. So all the time you have, and this is not the proposal from Nike. I took another one from Metro. So you have at the beginning, normally it's the same structure. So you have at the beginning the proponent. So who are the shareholder who proposed, who submitted this proposal? So here it was a share on behalf of the Atkinson Foundation. The request, so it's the proposal on in itself. So here it was on Metro. It was to publish a report about their independent human rights impact assessment. So basically, they wanted the company to assess their impact on human rights. So most of the time, in the supply chain, if they buy food or anything from abroad. And so the shareholders wanted to make sure it was done without hurting human rights. So this is the what we call the request or the proposal. Then you have the supporting statement. So basically, these are the arguments to support the proposal. So it's always more developed. And then at the very end, you see in red, the board and management recommend voting against the proposal, because that's it all the time. 95% of the time, the board recommend to vote against the proposal, and they develop the same another argument to counter the proposal. So this is roughly what you will be asked to do is the request or the resolve. So to have a one sentence or two. To ask a question or to request something from the company, and then support it with arguments. So this is to give you a general idea. So I won't go too much into the details. Maybe just to give you an idea, why do shareholders submit proposal? Most of the time, it's for question of disclosure. So they want more information on ESG topics. So here you see on Metro, it was about their human rights impact. On Nike, it was their sourcing from China. So they want more information from the company, because right now, it's evolving, but right now the ESG disclosure are not well framed. There is not a lot of obligation from regulators. So that's why investors have to ask more questions. They want more information. They want to ask a question, or they want some time to show their disagreement on a subject. Here I give you on the table just an idea of the proposal that were successful, so that gather a high level of support. You see Toromont, which is a Canadian mining company, proposal from Atkinson that gather 99% of the vote. It was about the reporting on indigenous relations practices. The other are American companies, mainly on environmental and even climate topics. You see Chevron with the emissions of methane, Caterpillar with their climate policy report, etc. So just to give you an idea, this is rather an exception to have such a high level of support. Generally, a shareholder proposal we consider for ESG, ENS, so environmental and social topic, have a level of support around maybe 20 to 45%. This is a good core. When you have a majority of shareholders who vote for, this is considered, of course, a win, because the company
in most of the time have as to implement a change. So this was for the shareholder proposal. The other question that you'll need to address is to identify three ESG issues and to explain why they are important for a company. So this is a bit what we do. You can, there are many sources that I will show you, but you can start with the report that we just published last week. So it's been 20 years now that we started this report, annual report on ESG issues. So basically it's an overview of ESG issues with the focus on the North American market, but we consider issues in Europe and Asia also. And you have the link here. Just basically go to GIRCanada.com and there is a section called publication, and you will have access to the report. These are besides this, because this is not the, this shouldn't be your only source of information. Just quickly on shareholder proposal, I gave you the main, I would say the main proponent. So MEDAC in where they are based in Montreal. The rest, as you saw, is NGO. And the other are portfolio managers, but that do have a ESG focus. So Mercy, Arrington, Trillium, and other shareholder groups. So CRS, ICCR, Share being NGO in Vancouver and Toronto. So here you will have many information on shareholder proposal. Maybe I will jump here just to find a shareholder proposal. For US company, go to EDGAR. For Canadian companies, go to CEDAR. Then you have to navigate a bit, but to find, basically you have to find the company, then find a document that is called Management Circular, that's written here. Because in the circular is the document that is published by the company for its annual meeting. So the goal is not to copy a new copy an existing proposal, but just maybe to find inspiration on how it's drafted and the way the issues are brought. Just it will give you an idea. Another great way is the link on the bottom, Proxy Monitor. This is basically a big table of the shareholder proposal from the Fortune 250 companies. So at the 250 companies in the US with the highest revenue. And the Proxy Monitor gathers all the shareholder proposal from this company. So this is very helpful. Maybe you can actually start with this to give you an idea. It's easier. On ESG topic, so on, you will have to so choose three ESG issues and explain why they are important and what could happen if the company doesn't comply with the situation. So you have various, so this is very specific. You have topics on corporate governance. The Harvard Law School is the one I use on a weekly basis. So basically it's sort of a blog from the Harvard Law School, and they republish studies, opinions, research. So from professionals, from accountants, from lawyers. So it's very, very interesting. And they try to summarize it. So rather it's quite easy to read. The other one, Davis and Conference Board. So Conference Board, there is one for called Conference Board of Canada. A lot of information in there. And Davis were lawyers, but they have a focus on corporate governance topic. So this document, Davis Governance Insights,
gives you a good idea of the governance in Canada. Then you have, of course, these are not unique sources. There are many more, but these are the one I find the most useful. So on climate change, the one SBTI, so Science Based Target Initiative. There's also, I could put climate and climate action 100 plus. So if you just Google CA 100 plus, very good source for climate change. On human rights, this is something we use on a weekly basis also, Business and Human Rights Resource Center. So it's they gather all the press articles or research on companies and they tag it. So it's very easy to use a topic for a company just using their tag and their advanced research. Then I will go not through everything, but the presentation is available on the chat. There is a link for the that goes to the resources, and you can access to the presentation and click on the hyperlinks. I talked to you about, so Edgar said that, but maybe proxy monitor, that is more useful. And also, if you have just an idea of a company that you would like to address, just go to their website and look for the circular in the section that is called investor relation. There's always a section called investor relations, and in there you have to look a bit, but normally it's under annual meeting or shareholder information or governance. Just look around for 5 minutes and you will find it, or just type maybe the name of the company, BMO circular 2023 or 2022, and this will give you an idea. Just maybe to finish, the two links I would like to show you. ECHO, who is based in Montreal, they do what we call shareholder engagement. So they help investors dialogue with companies. So this is what they do, and we are a partner. They do this activity report, which is on a quarterly basis. So very a lot of information, very interesting. And maybe the last one, but don't lose too many time in there. Corpgov.net, that is an old website, but very useful. There are tons of links in there. There are opinions also, so super interesting. On all the corporate governance matters. So I think that's about it. You have my information if ever you need. But that was the main aspect I wanted to emphasize tonight. Okay. Thank you, Mr. Estinais. Maybe we can. If there are questions, I don't know if the audience have some questions. We could maybe receive these questions immediately before going on with Mr. Magnan's presentation. Doesn't seem that we are receiving questions. Okay, so maybe I'll go back to my own presentation just to say a few words about Mr. Magnan. Okay, so Mr. Magnan is a distinguished university research professor of accountancy at the John Molson School of Business, Concordia University. Is also the current holder of the Stephen A. Jaruzelski Chair in Corporate Governance. A few years ago, he was awarded as a distinguished member of the Ordre de l'Excellence en Éducation du Québec. So Mr. Magnan is a really important professor in
education in Quebec, and an important member also of Cyrano, a fellow at Cyrano, and is part of many researches conducted by Cyrano. Mr. Magna is not currently with us this evening, but we recorded last week his presentation, and his presentation has been recorded in French, I must tell you, but we are making available the English translation of the presentation. I may put it immediately in the chat so you can find it easily. So I'm just... Oh, wait, it's already there. It's Mrs. Bluebell already put the Mr. Magna presentation in the chat. So if you want to follow the presentation of Mr. Magna in the English language, just open the presentation in PDF. So we will start now with Mr. Magna's presentation as we recorded the presentation last week. We'll start sharing, and Mrs. Blouet will start broadcasting the presentation. Merci, M. Bourget. Heureux d'être avec vous ce soir. Donc, je vais vous parler d'investir à l'aide ESG. Donc, ma présentation va porter un peu sur quel est le concept ESG, qu'est-ce que ça veut dire, puis quelles en sont les implications, tant pour les investisseurs que pour les entreprises. Bon, j'amènerai ma présentation. Voilà. C'est bon. On le met en mode de show. Voilà. Bon. Donc l'agenda. Donc, quels sont les facteurs ESG? D'où cela vient-il? Qu'est-ce qui sous-tend la montée des facteurs ESG? Et en dernier lieu, comment mettons en œuvre l'investissement ou l'analyse des entreprises en fonction de facteurs ESG. Donc, tout ça pour vous, peut-être pour commencer, que ESG, c'est loin d'être un sujet très, très simple. C'est même un sujet très controversé. L'été dernier, la revue que vous connaissez peut-être, The Economist, a eu un numéro spécial sur ESG, justement. Et leur point de vue, dans leur analyse, c'est que finalement, ESG, c'est trop complexe. C'est trop compliqué, il y a trop de contradictions là-dedans, et que d'après eux, on devrait se concentrer sur le E, donc le facteur environnemental, et laisser de côté un peu les facteurs S, social, et G, gouvernance. Et dans le E, on devrait se concentrer sur les changements climatiques, les risques liés aux changements climatiques. Donc ça, c'est le point de vue des économistes, qui est d'ailleurs partagé par plusieurs organisations, plusieurs entreprises. D'un autre point de vue, vous avez ici, je dirais, le contre-argument. BlackRock, qui est le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, qui gère des milliers de milliards de dollars. À chaque année, le président de BlackRock écrit une lettre au PDG des PDG des entreprises dans lesquelles BlackRock investit, et il les incite fortement à considérer ESG dans leur édition de compte, dans leurs opérations. Ici, vous avez la lettre de 2020, mais à chaque année, le ton est un peu similaire. Et bon, par exemple, en 2018, j'ai écrit pour exhorter chaque entreprise à articuler son objectif et commencer à contribuer à toutes les petites parties prenantes, y compris les actionnaires, les employés, les clients et les communautés dans lesquelles elle opère. Nous avons vu en quel point les entreprises déterminées avec de meilleurs profils environnementaux, sociaux et de gouvernance ont surpassé leurs pairs durant l'année 2020. Donc, BlackRock met de l'avant une perspective plus, je dirais, globale, où E, E, S et G sont considérés comme importants. Ce point de vue de BlackRock, évidemment, fait l'objet de plusieurs débats aux États-Unis.
débat politique et débat financier. Mais vous avez comme un peu l'autre, je dirais, la perspective plus classique qui est montante en matière d'ESG. Maintenant, qu'est-ce que c'est ESG? ESG, c'est environnemental, social et gouvernance. Donc, c'est un type d'investissement qui est aussi connu comme investissement durable. Les deux appellations ne sont pas identiques, mais sont assez similaires, reflètent à peu près la même chose. C'est une appellation générique pour des investissements qui cherchent un rendement positif ainsi qu'un impact à long terme sur la société, l'environnement et la performance de l'organisation. Selon les contextes, on va aussi parler d'investissement à impact. Je vais revenir là-dessus. D'investissement responsable, d'investissement ESG ou d'investissement basé sur les valeurs. Il y a une autre école de pensée qui fait que l'investissement ESG dépend beaucoup de l'investissement responsable. L'investissement responsable, ça comprend entre autres l'investissement éthique, l'investissement ESG et l'investissement à impact. Puis finalement, vous avez le Financial Times de Londres qui définit ESG comme un terme générique qui est utilisé dans les marchés des capitaux et qui est utilisé par les investisseurs pour évaluer le comportement des entreprises et déterminer leur performance financière future. Donc, vous voyez, on a une idée générale de ce que c'est ESG, mais c'est quand même un concept qui est à portée variable et selon à qui on parle et selon, je dirais, leurs intérêts. Maintenant, qu'est-ce qui sous-tend ESG? Vous avez ici des exemples, ce n'est pas exhaustif, mais lorsqu'on parle, par exemple, du facteur environnemental, donc on va se préoccuper de l'énergie qui est utilisée par une organisation, donc son efficience énergétique. On va se préoccuper de sa gestion des matières résiduelles, les déchets, bon, essentiellement, donc la protection de l'eau, de l'air et du sol. On va se préoccuper de sa contribution à la déforestation, à la biodiversité, les pénuries d'eau. On va se préoccuper beaucoup des émissions de gaz à effet de serre. Bon, on parle beaucoup de carbone, mais il n'y a pas juste le gaz carbonique là, qui est un gaz à effet de serre. Vous avez le méthane également. Donc, il y en a un certain nombre là. On va se préoccuper aussi des changements climatiques. Donc, le volet environnemental, ce sont les conséquences des actions de l'entreprise sur les êtres vivants définis largement, c'est-à-dire et les humains et les animaux et la faune. Le volet S, le volet social, ben, là, on se touche beaucoup aux employés, aux clients, aux fournisseurs, les individus, donc, tout ce qui touche la protection des renseignements personnels, c'est dans le volet social, les conditions de travail, la mobilisation des employés. Donc, la définition, c'est des relations, la réputation qui en découle, les relations de l'entreprise avec les habitants, les institutions et les communautés où se déroulent les activités de l'organisation. Donc là, on s'est focalisé plus sur les humains en termes de relations d'affaires, si on peut dire. Et finalement, vous avez le volet G qui touche la gouvernance. Et ça, ce sont surtout les pratiques internes des contrôles et les procédures au sein de l'organisation pour faire en sorte que l'organisation se conforme à la législation, aux réglementations et rencontre les besoins des parties prenantes. Donc ça, je dirais, ça couvre qu'est-ce que c'est ESG. En général, ça peut être plus exhaustif, mais ça vous donne une bonne idée. Maintenant, pourquoi on parle beaucoup d'ESG par les temps qui courent? Bien, quelles sont les forces en présence? Je vous dirais qu'il y a une combinaison de facteurs qui ont joué, mais essentiellement, c'est venu beaucoup d'investisseurs institutionnels qui étaient, je dirais, qui avaient une portée ou une dimension sociale. Par exemple, si on remonte dans le temps, il y a 50 ans, des organisations religieuses. Je pourrais vous dire que un peu le début de l'investissement responsable ou de l'investissement avec une portée ESG, ça serait par exemple des institutions religieuses dans les années 70-60 qui ont commencé à militer pour que les compagnies américaines désinvestissent l'Afrique du Sud avec sa politique d'apartheid, par exemple.
Donc, il y a eu tout un mouvement de différentes communautés religieuses qui prenaient parole dans les assemblées d'actionnaires et mettaient de l'avant des propositions pour avoir un investissement responsable, donc dans le fond, qui ne reconnaissent pas l'apartheid en Afrique du Sud et que les entreprises désinvestissent. Donc, là, on remonte aux origines. Mais depuis, ça a pris beaucoup d'ampleur et la portée, évidemment, dépasse beaucoup l'apartheid. Vous avez aussi les Nations Unies. On joue un rôle important. Je vais y revenir un peu plus tard. Et évidemment, les entreprises qui ont des besoins en capital vont chercher à les capitaux auprès d'investisseurs qui en ont. La force des choses, c'est que les investisseurs institutionnels qui ont une préoccupation sociale sont de plus en plus nombreux. On pense aux caisses de retraite. On pense aux fonds d'investissement comme celui de la Norvège, par exemple, qui a mis de l'avant beaucoup de principes en matière environnementale ou en matière sociale. Donc, ce sont les forces en présence. On va les revoir un peu plus en détail. Une des forces, c'est les principes pour l'investissement responsable. Ça, c'est une initiative de l'ONU. Et c'est un ensemble de principes qui sont mis de l'avant. Et les investisseurs institutionnels peuvent signer une charte ou un document qui les lie à la mise en œuvre de ces principes-là. Et dans le fond, les principes d'investissement responsable, c'est que l'idée de base, c'est que la création de valeur à long terme passe par un système financier mondial qui est durable et efficace du point de vue économique. Donc, dans le fond, la durabilité d'un investissement à long terme repose sur le fait que cet investissement aura un impact positif sur l'environnement et sur la dimension sociale. Les activités de l'entreprise, donc, vont contribuer au développement environnemental, au développement social. Donc, les PRI, ou les Principles for Responsible Investment, ont pris beaucoup d'ampleur ces dernières années rejoignent maintenant un grand nombre d'investisseurs. Donc, ce que ça fait, ça donne une base d'action. Ça donne un alignement parmi les pratiques d'investissement. Ça permet aussi des échanges d'informations. Ça permet aussi, je dirais, de rationaliser la chose, c'est qu'on s'entend sur un ensemble de principes, les investisseurs qui participent à ces principes-là. Et je dirais, ça améliore la force de frappe de l'investissement responsable. Quels sont ces principes? Je vous les énonce ici. Donc, il y en a 6. Donc, prendre en compte les questions ESG dans toutes les décisions d'investissement. Être des investisseurs actifs qui vont prendre en compte les questions ESG dans les pratiques d'investissement. Exiger des entreprises dans lesquelles on investit de divulguer leurs pratiques, leurs réalisations en matière d'ESG. De promouvoir l'application des principes ESG et aussi de travailler ensemble, donc de pair, en cohérence, dans la mise en œuvre des principes. Et aussi, comme investisseurs, ces investisseurs-là s'engagent à rendre compte de la manière dont ils ont mis en œuvre les principes ESG dans leurs propres décisions d'investissement. Donc, ce n'est pas tout de dire on va les appliquer, mais comment les a-t-on appliqués? On va le divulguer. Donc, ce sont les 6 grands principes. Maintenant, ici, vous avez un graphique qui montre l'évolution du nombre de signataires et des actifs sous-jacents qui sont gérés en fonction des principes d'investissement responsable. Donc, vous avez, c'est à droite, c'est le nombre de signataires de l'investissement responsable. Et à gauche, si je ne me trompe pas, ce sont les milliers de milliards de dollars qui sont investis en fonction des principes d'investissement responsable. Et vous avez l'évolution depuis 15 ans, c'est-à-dire les principes sont arrivés en 2006, justement. Donc, vous voyez qu'il y a une croissance importante et du nombre de signataires et de l'ampleur des actifs qui sont gérés par des investisseurs institutionnels
qui se disent signataires des principes d'investissement responsable. Donc, ça, c'est une initiative qui a eu, je dirais, un effet d'entraînement. Une autre initiative qui gagne en ampleur depuis quelques années, ce sont les Objectifs de développement durable de l'ONU. En anglais, on voit beaucoup l'acronyme SDG, donc Sustainability Development Goals. Et il y a plusieurs organisations qui, finalement, mettent de l'avant certains de ces objectifs. Maintenant, là, je vous les présente, il y en a 17. Mais chaque objectif, il y a un ensemble de sous-objectifs qui découlent. Par exemple, si j'en prends un, pas de pauvreté. Bon, ben, pas de pauvreté, ça inclut ou ça implique un ensemble d'initiatives pour réduire la pauvreté. Évidemment, chaque organisation va privilégier un certain nombre d'objectifs qui sont cohérents avec sa raison d'être. Par exemple, si vous êtes une entreprise dans l'alimentation, dans les pêcheries, bien, probablement que l'objectif 14, la vie aquatique, vos pratiques de pêche, et l'objectif 12, consommation et production responsables, seront peut-être plus importantes et vous allez choisir de mettre de l'avant des objectifs plus spécifiques par rapport à 12 et 14. L'objectif 8, par exemple, si vous êtes une multinationale qui a des opérations dans plusieurs pays en voie de développement, bon, travail décent, croissance économique, est-ce que vos activités dans les pays en développement font en sorte que la population locale qui est affectée par votre activité bénéficie durablement de votre activité économique? Qu'est-ce que vous faites pour justement faire en sorte qu'il y ait un partage des richesses qui se réalise autour de vos activités, et ainsi de suite. Donc, les objectifs de l'ONU, plusieurs organisations, comme je mentionnais, maintenant les mettent de l'avant et ça devient un peu une partie du vocabulaire qui est utilisé dans le monde du ESG ou de l'investissement responsable. Et derrière l'investissement responsable, derrière l'investissement ESG, derrière les principes d'investissement responsable, derrière les objectifs de l'ONU, il y a le concept de partie prenante. En placement, historiquement, on se préoccupait beaucoup. On est un investisseur, on est donc un actionnaire. On va pousser pour que l'entreprise réalise des actions, des investissements qui vont optimiser, qui vont maximiser la richesse des actionnaires. Bon, c'est la primauté est donnée aux actionnaires. Ça, c'est l'approche, je dirais, traditionnelle ou plus classique. Avec ESG, ben là, on élargit le concept de création de richesse, on élargit comment voit-on la création de valeur pour l'étendre à l'ensemble des parties prenantes qui font affaire, qui ont un intérêt aux activités de l'entreprise. Et je vous dirais que ça a peut-être gagné en primauté par le fait que, par exemple, les régimes de retraite, ben, il y a beaucoup de régimes de retraite d'employés du secteur public qui ont un poids important. On prend Teachers, par exemple, en Ontario. Vous avez aussi Homers en Ontario, donc les employés du secteur municipal, et qui sont souvent où les syndicats vont être impliqués. Et ces organisations-là vont donc avoir une ouverture à un instant, là, pas juste les actionnaires, là, parce qu'il y a des employés de ces entreprises-là qui sont syndiqués. Créer de la valeur, ça peut-être vouloir dire mettre à pied tous les employés, mais là, c'est pas nécessairement bon pour le syndicat, pour les syndicats qu'on représente. Donc, il y a eu un élargissement de cette perspective-là pour penser aux parties prenantes. Et les parties prenantes, donc, c'est les clients, les fournisseurs, les employés, les retraités. Donc, tous ces gens-là deviennent un peu des sujets de préoccupation. Et l'idée étant, est-ce que l'entreprise crée de la valeur pour l'ensemble de ces parties prenantes-là? C'est l'approche qui sous-tend, je vous dirais, l'investissement ESG. Et l'idée étant qu'une entreprise va survivre à long terme si elle crée de la richesse, elle crée de la valeur, pas juste pour les actionnaires, mais pour l'ensemble des individus
qui vont faire affaire avec elle, d'une manière ou d'une autre. Maintenant, plus près de nous, et là c'est plus récent, on a des préoccupations en matière des changements climatiques. Et là, ça a un impact réglementaire. Aux États-Unis, par exemple, la Commission des valeurs mobilières, donc Securities and Exchange Commission, a récemment proposé que les entreprises divulguent de l'information à propos de tout ce qui touche leur gouvernance et leurs pratiques vis-à-vis des changements climatiques. Au Canada, on a la même préoccupation. Et des investisseurs comme la Caisse des dépôts, par exemple, se sont engagés dans un processus de décarbonisation de leur portefeuille et donc de réduire l'empreinte carbone des entreprises dans lesquelles elles investissent parce qu'elles se disent qu'à long terme, les changements climatiques font en sorte que notre investissement ne sera pas durable si ces changements continuent d'évoluer avec la tendance qu'on a. Il faut agir pour forcer les entreprises à réduire leur empreinte carbone. Et un des moyens, bien, c'est que nous, comme investisseurs, c'est de choisir nos investissements et de faire des pressions, de faire des représentations auprès des entreprises pour réduire l'empreinte carbone. Et les régulateurs embarquent dans le bateau pour justement amener les entreprises à divulguer leur stratégie en matière de changement climatique et donc permettre aux investisseurs de mieux juger la pertinence de leur investissement si les entreprises vont dans le bon sens ou vont au contraire, dans le sens contraire. Maintenant, comment mettons en œuvre les facteurs ESG? Si vous êtes un investisseur institutionnel ou un investisseur individuel, vous avez donc comme investisseur individuel, vous pouvez aussi avoir des préférences et il y a différents véhicules, des fonds mutuels qui existent qui mettent de l'avant des principes ESG. Je vous dirais qu'il y a deux grandes catégories d'investissement ESG. Donc, l'investissement ESG qui est basé sur la valeur et l'investissement ESG qui est basé sur les valeurs. Bon, là, il y a une petite nuance. Donc, basé sur la valeur, donc, si on prend cette première perspective, c'est que les questions et enjeux ESG sont vus comme autant de risques et d'opportunités économiques. Donc, c'est une source de valeur économique. Si vous êtes une entreprise qui privilégie la durabilité environnementale, qui met de l'avant les priorités sociales et qui a une bonne gouvernance, c'est à long terme, c'est payant économiquement. C'est l'idée de base derrière l'ESG basée sur la valeur. Je vous dirais que c'est probablement la forme qui est la plus dominante actuellement. Donc, les facteurs ESG sont porteurs d'une meilleure performance économique à long terme. Mais il y a aussi l'ESG basé sur les valeurs. Ici, on parle de valeurs morales ou de valeurs éthiques. Par exemple, l'alcool, c'est mauvais. On n'investit pas dans les sociétés qui sont impliquées dans le commerce ou la fabrication d'alcool. On n'investit pas dans des entreprises qui sont des fournisseurs d'armement ou d'armes ou dans les casinos. Ça, ce sont des valeurs morales. Et donc, vous avez quand même un volet d'investissement ESG qui est basé sur cette approche-là. Toute la finance islamique pourrait être considérée comme l'investissement ESG basé sur les valeurs. Donc, c'est pas nécessairement le courant dominant, mais c'est quand même un courant qui, lui aussi, quand même prendre de l'ampleur. Et à l'intérieur de l'ESG basé sur les valeurs, ce qu'on voit beaucoup, c'est l'investissement à impact. Donc, comme investisseur, vous allez être prêt à accepter un rendement un peu moindre, mais pour un investissement qui va avoir un impact social ou environnemental important. Ça pourrait prendre la forme, par exemple, d'investir dans une résidence pour des personnes sans domicile fixe. Donc, vous faites un investissement immobilier et vous dites, bon, d'habitude, je recherche un rendement de 10%. Je vais me contenter de mon coût du capital, 5-6%, parce que c'est un investissement qui va avoir un impact social important au sein de la communauté dans laquelle j'évolue.
Donc, ça, c'est de l'investissement à impact. C'est dans le contexte de l'investissement ESG basé sur les valeurs. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, vous êtes un investisseur institutionnel, vous faites de l'investissement, vous investissez dans toutes sortes d'entreprises. Vous pouvez lire la documentation qui est fournie par les entreprises, mais il y a aussi un ensemble de services qui vous sont offerts pour vous aider dans vos décisions. Donc, il y a des classements qui existent, des indices ou des classements ESG, puis il y a des fournisseurs de données ESG qui vont vous permettre d'analyser, qui eux-mêmes collectent des données additionnelles auprès des entreprises. Donc, les indices les plus connus, vous avez le Dow Jones, vous avez l'indice MSCI, vous avez l'indice Euronext. Il y a Corporate Knights qui publie un classement aussi des entreprises les plus durables. Donc, une série d'indices où là, vous allez dire le top 500, le top 50 ou le top 100, par exemple, vont vous être présentés. D'autre part, vous avez des fournisseurs de données, donc des bases de données qui vont collecter toute une gamme d'informations auprès des entreprises et qui ne feront pas de classement comme tel, mais qui vont vous permettre comme investisseur d'analyser les entreprises et de faire des tris, de faire de la sélection. Bloomberg, que tout le monde connaît, bon, les fameux terminaux Bloomberg, ils ont des données financières, mais il y a aussi une vaste gamme d'informations ESG. Vous avez MSCI. Donc, il y en a toute une série, là. Et c'est devenu très rentable, là, parce que beaucoup d'investisseurs institutionnels, la Caisse de dépôt, Teachers, ainsi de suite, là, veulent faire des investissements ESG. Et donc, ont besoin d'informations pour pouvoir analyser les entreprises, les classer, les trier, les sélectionner. D'autre part, au-delà des services des bases de données, il y a des normes de divulgation qui existent pour encadrer les pratiques par les entreprises. Donc, les entreprises qui font des activités d'investissement. Il y en a toute une série. Peut-être la seule qui est la plus importante, c'est une initiative du international. C'est tout nouveau. Vous avez un bureau à Montréal. C'est l'International Sustainability Standards Board qui vient d'être créé il n'y a pas très longtemps et qui devrait cette année mettre de l'avant deux normes de divulgation en matière d'investissement responsable en matière de divulgation environnementale. Donc, ça, c'est une initiative mondiale. Donc, pour mettre, je dirais, toutes les entreprises sur le même pied, parce qu'actuellement, un des enjeux, c'est qu'il y a beaucoup d'informations, mais il y a aussi beaucoup de bruit, puis les pratiques des entreprises ne sont pas tout à fait comparables. Supposons, vous êtes un investisseur institutionnel, vous vous demandez, est-ce que je devrais investir dans Loblaw ou dans Métro ou dans Empire, parmi les chaînes d'alimentation? Voilà. Quelle entreprise a les meilleures pratiques ESG? Bien, ça va être difficile de les comparer parce que les entreprises n'ont pas les mêmes pratiques de divulgation. Donc, l'idée derrière le ISSB, c'est justement de standardiser les pratiques de divulgation des entreprises. Donc, ça va se mettre en œuvre. Juste ici, c'est un exemple, c'est le modèle de MSCI. Eux sont, évidemment, MSCI sont partisans de l'ESG dans une perspective de création de valeur. Donc, leur classement ESG repose sur le fait que les pratiques ESG d'une entreprise, ultimement, vont amener de la performance financière. Donc, par exemple, ici, vous avez les quintiles de classement en fonction d'ESG, donc du premier quintile au cinquième quintile, il va y avoir des canaux de transmission. Donc, un canal de transmission meilleur est l'entreprise en termes de ESG, plus grande va être sa rentabilité. Si la rentabilité est plus élevée, il y aura moins de volatilité, ça va générer plus de flux de trésorerie. Donc, leur logique, c'est que ce qui est bon pour ESG, ultimement, va être bon pour la rentabilité. Aussi, un autre canal de transmission, c'est si on a une meilleure gestion des risques, par exemple, les risques liés au changement climatique, ben, on va avoir moins de risques, ça va avoir moins d'incidents, on va avoir moins de volatilité. Donc, performance financière, encore là, optimale. Et un autre canal de transmission, c'est si on est bon en fonction des facteurs ESG, dans la gestion ESG,
On va contrôler les autres facteurs de risque. Donc, l'entreprise va avoir un risque systématique moins élevé. Son coût du capital va être plus bas, ce qui va lui permettre, évidemment, une plus grande création de richesses. Donc, ça, c'est la logique du modèle ESG, qui est une logique basée sur la ESG et création de valeur. Une autre cote ESG, ça c'est une illustration, c'est la cote ESG de Asset4 qui publie qui a une base de données puis qui donne des cotes aux entreprises. Et bon, je vais juste vous donner un exemple comment la cote est construite, qu'est-ce qui est privilégié. Donc, vous avez la cote ESG, les trois facteurs, environnemental, social, gouvernance, mais ils ajoutent à ça les controverses ESG. Donc, la cote qui est attribuée à une entreprise va être fonction de qui est objectivement observable en termes de ses pratiques en matière d'environnement social et de gouvernance, mais aussi sur les controverses que l'entreprise a rencontrées. Est-ce qu'il y a eu des scandales? Est-ce qu'il y a eu des événements médias qui ont remis en question l'entreprise? Est-ce que l'entreprise a été citée dans des procès, des poursuites, ainsi de suite? Donc, les controverses vont contribuer à la création de cette cote-là. Un enjeu, évidemment, vous vous rendez compte que les différents indices, les différentes cotes n'utilisent pas nécessairement exactement les mêmes critères avec les mêmes pondérations. Donc, ce qui crée des fois un peu de confusion. Finalement, un cas d'espèce, vous avez le classement de Corporate Knights, qui est une entité canadienne là, qui publie régulièrement un classement. Donc, vous avez son dernier classement, les top 50 au Canada. Bon, la première, c'est l'Hydro-Québec. C'est l'entreprise qui était la mieux cotée, selon eux. Et la quatrième, BCE, Société de transport de Montréal, puis Mouvement des caisses des jardins, était 36e, donc dans le top 50. Maintenant, il faut voir comment cet indice de Corporate Knights est conçu. Et évidemment, si vous regardez le volet ESG, le volet E, environnemental, eux, ce qui les préoccupe beaucoup, c'est l'utilisation nette d'énergie puis les émissions de gaz à effet de serre. Bien là, Hydro-Québec, évidemment, est très avantagé vu que Hydro-Québec produit de l'électricité à partir de barrages hydrauliques. Donc, il n'y a pas d'émissions de gaz à effet de serre ou quasiment pas. Si vous comparez avec des sociétés ailleurs au Canada, qui, par exemple, ont des centrales au charbon ou des centrales au pétrole ou même des centrales au gaz. Les émissions de particules, des émissions de dioxyde de soude, donc Hydro-Québec est très avantagé de par la nature de la source de son hydroélectricité. Au niveau social, évidemment, des blessures par 200 000 heures. Bon, si vous êtes une entreprise de services financiers, comme le Mouvement des Jardins, c'est pas un travail manuel en général. Des blessures, il y en a peut-être, mais c'est quand même assez rare. Donc, les entreprises de services vont être avantagées dans ce classement-là par rapport à des entreprises industrielles ou des entreprises forestières. Même chose au niveau du nombre de décès. C'est évident que, il y a assez peu de monde qui meurt au travail dans les services financiers, mais dans les transports ferroviaires, dans les entreprises de construction, le risque est plus grand. Donc, ces entreprises-là risquent de se retrouver plus basses. Donc, la pondération qui est attribuée à ces différents facteurs-là va affecter le classement d'une entreprise. Donc, votre rôle, vous comme investisseur, ou comme investisseur institutionnel ou investisseur personnel, individuel, est-ce que vous êtes d'accord avec la pondération, le choix des indicateurs qui a été fait, ou vous trouvez qu'il y en a peut-être auxquels on attache trop d'importance? Un qui est intéressant, les impôts. Certains investisseurs institutionnels maintenant considèrent qu'une entreprise qui ne paie pas d'impôts, qui ne paie pas sa juste part d'impôts, c'est un facteur important et ça pourrait amener des investissements. La Caisse des dépôts, c'est récemment des investis de Gildan, parce que la Caisse jugeait que Gildan ne payait pas sa juste part d'impôt. Donc, en fonction d'une grille ESG. Maintenant, donc, tous les enjeux, on y a fait référence liés à ces classements-là. C'est qu'est-ce qu'on considère? L'entreprise, est-ce qu'on considère l'entreprise elle-même, ses fournisseurs, ses clients, donc toute la chaîne de valeur?
Donc, ça, c'est la portée ou ce qu'on appelle les scopes, scope 1, 2 and 3. C'est la portée, le périmètre qu'on prend en compte, par exemple, pour les émissions de gaz à effet de serre. Est-ce qu'on tient compte juste de l'entreprise ou on tient compte qu'elle a des fournisseurs qui sont très polluants? Quelle est la pondération qu'on accorde au volet E, S et G, puis les composantes là-dedans? Jusqu'à quel point on se fie à l'information qui est divulguée par l'entreprise, puis est-ce que ces données-là sont fiables, sont valides? Donc, c'est un ensemble de, je n'irai pas dans le détail ici, vous pourrez regarder, mais c'est un des enjeux actuellement, notamment tout ce qui touche aux émissions de gaz à effet de serre. Évidemment, on mesure de l'air. Donc, c'est comme pas évident à mesurer. Ça repose sur plusieurs hypothèses. Si vous allez voir des documents qui indiquent comment mesurer les émissions de gaz à effet de serre, c'est des documents ultra complexes et relativement épais en termes de nombre de pages. Donc, il y a beaucoup d'hypothèses derrière ça. Et qu'est-ce qu'on prend en compte? C'est vraiment un des enjeux actuellement. Et c'est pourquoi on a des efforts de normalisation, de standardisation. Deux exemples ici, peut-être pour vous illustrer la difficulté de bien juger de la performance ESG d'une organisation, d'une entreprise. Des autos électriques. Bon, certains disent que c'est la solution, une entreprise comme Tesla, où c'est excellent. Ça devrait avoir un score ESG très, très élevé. Cependant, ici, vous avez deux exemples. Volvo affirme que les émissions résultant de la fabrication de véhicules électriques peuvent être jusqu'à 70 % plus élevées que celles émanant de la fabrication d'auto à essence. Donc, si vous achetez un véhicule électrique, ça pourrait prendre jusqu'à 9 ans, selon votre utilisation, pour que votre production de gaz à effet de serre, qui est moindre si vous avez un véhicule électrique, compense le fait que le véhicule que vous avez a généré beaucoup de gaz à effet de serre pour sa fabrication. Donc, acheter une auto électrique, c'est loin d'être la solution pour réduire les gaz à effet de serre. En tout cas, ce n'est pas nécessairement une solution à court terme. Et là, vous avez d'autre côté, là, c'est Volvo, le fabricant de voitures qui nous dit ça. Et vous avez une étude ici de l'Université Cambridge. La production de véhicules électriques entraîne beaucoup plus d'émissions de gaz à effet de serre que celle d'auto à essence. Et notamment la production des piles. Et eux, ce qu'ils concluent, ce n'est pas la potion magique pour gérer les changements climatiques. Idéalement, on devrait aussi réduire de manière importante le nombre d'autos et investir dans les moyens comme les transports publics. Donc, est-ce que j'attribue une bonne cote ESG à Tesla ou non? Là est la question. Et je vous dirais que la réponse est peut-être plus complexe qu'on pourrait le penser. Un autre exemple, les gaz à effet de serre, un des plus gros producteurs, un producteur important de gaz à effet de serre, c'est l'agriculture. Parce que l'utilisation d'engrais chimiques, les engrais qu'on envoie dans le sol, ben, c'est en général des engrais basés sur, faits avec de l'azote, puis avec des processus de fabrication basés sur le gaz naturel. Ben, lorsque c'est mis dans le sol, l'azote se génère, puis ça va produire des gaz à effet de serre. Qu'est-ce qu'on fait l'agriculture? C'est bien, on parle d'acheter local, c'est très bien, donc ça réduit les distances de transport. Mais si les producteurs locaux utilisent beaucoup d'engrais, quel est l'effet net de nos pratiques de consommation? Donc, il faut aller plus loin que juste l'achat local. Il faut se préoccuper quelles sont les pratiques d'agriculture qui sont mises en place aussi. L'agriculture, donc, il y a un volet S important de faire vivre l'agriculture locale, domestique. Donc, on contribue au S, mais est-ce qu'on contribue au E? Au volet environnemental, ça aussi, c'est une autre question. Donc, finalement, ce qu'on peut conclure de tout ça, c'est que le facteur ESG, c'est multidimensionnel, ce que la revue des économistes disait plus tôt. C'est en évolution. Les techniques de mesure se raffinent.
Mais l'horizon temporel qu'on prend, est-ce que je regarde un horizon l'année qui vient, les 5 prochaines années, les 10 prochaines années? Ben ça peut changer ma réponse. Est-ce qu'un processus de fabrication est conforme aux pratiques ESG ou ne l'est pas? Il y a encore beaucoup de zones d'ombre. La science n'est pas encore précise pour tout, pour les mesures. Et si on compare les entreprises entre elles, c'est encore difficile parce que les pratiques de divulgation sont différentes. C'était un peu le message que j'avais à vous faire aujourd'hui, que finalement, je pense que les principes derrière ESG, on ne peut pas être en désaccord, mais comme toute chose, c'est la mise en œuvre de ces principes n'est pas évident. Et je vous dirais qu'il y a eu de l'amélioration. On essaye de normaliser, on essaye de standardiser, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Et les constats, les bénéfices de l'investissement responsable sont encore, je pense, un certain nombre d'années devant nous. Mais évidemment, si vous croyez que le monde vit des changements environnementaux importants, des changements climatiques importants, je pense que c'est dans votre intérêt à long terme d'investir avec une perspective ESG et dans ce sens-là, de demander aux entreprises, de demander à aux investisseurs, de demander aux fonds dans lesquels vous investissez comme investisseur individuel, d'avoir ces préoccupations et d'avoir une grille d'analyse pour leur placement. Donc, c'est un peu le message que j'avais à vous faire aujourd'hui. D'investir avec une perspective. So we had a very fine conference from Professor Magnan. I know that we are over time as we speak, so I won't be long. I first want to thank Mr. Estines. He provided us with very useful information, particularly if you are going to pass the qualification tests, and more specifically about the essay questions. And Mr. Magnan's conference was certainly a good introduction for those of us who are new to the field of ESG investing, but it certainly also broadened the perspective for all those that are already acquainted with the field. I don't think that we received the questions from the attendees, so I will proceed with my thanks to Mrs. Blouet, who is assured the event, it was backing the event as support for the event. And she organized the event, she publicized the event and was there tonight. Thanks again to Mr. Estines for his participation to both the French webinar that we had on Monday and for the webinar we had tonight. And thanks to Mr. Magnan and to those who attended this third webinar of the 2023 series of webinars for participants. So thanks everybody, and maybe you'll be there next Tuesday when we'll have the webinar on the management of the supply chains with Mr. Thierry Waré, fellow at Cyrano and professor at HEC Montreal. So, good evening, everyone, and maybe we'll see you on Tuesday. Bye now. Thank you. Bye.